Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure. Your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Faire plan. Eh bien, je suppose que Sammy Davis doit monter à bord et qu'il envoie ses bijoux avant oh, lui. Oh, tu vas arrêter, Isaac. Je crois que tout ce matériel est à notre nouveau chef. Mais où est passé notre ancien cuisinier? Il est à l'hôpital. Il a goûté à sa propre cuisine? Non, on l'opère de l'appendicite. Ah. Ah ben, j'espère qu'il ne nous la servira pas. Hein? Oh. Borga. 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 Le chef Borga. Oh, le chef Borga. Soyez le bienvenu à bord. Je suis la responsable de la croisière, Mademoiselle McCoy. Mademoiselle McCoy. Oh, comment voulez-vous réussir à vous marier? Je vous demande pardon. Mais vous êtes squelettique. Oh. Les hommes aiment les femmes qu'ils peuvent toucher sans s'écorcher à leurs os. Mais je vais arranger ça. Attendez que je fasse des lasagnes, ensuite des ravioli, un poco de linguine. Et vous aurez déjà pris 5 kilos en arrivant à Mazatlan. Ou 8 en arrivant à Puerto Vallarta. Et à Acapulco, tu nous serviras d'encre. Eh bien, je n'ai plus qu'à souhaiter que vous passiez vous aussi une agréable croisière avec nous. Nous avons un bateau formidable et un équipage de qualité. Oui, dommage qu'il y ait ce fier à bras de commandant. Oui, qu'est-ce qu'il a dit, là? Il est dommage qu'il y ait ce oui, fier à bras. Oui, j'ai entendu, merci, Goffer. Ne me dites pas que je vais devoir vous supporter toute une croisière. Me supporter? Ce paysan met du ketchup dans ma bouillabaisse. Ça ne l'a pas rattrapé. Vous devez avoir à peu près autant de goût qu'une chèvre. Bon, avant que nous levions l'ancre, courez à terre m'acheter une réserve de conserve. Prenez-en pour couvrir toute la croisière. Tiens. Oh, c'était lui des conserves poussins et poussins. Allez, avancez, avancez. Mais alors, ils se connaissent? Bah oui, ils ont commencé une croisière ensemble, il y a 1 an ou 2 ans. Il a fallu l'arrêter. Soyez la bienvenue à bord. Merci. Bonjour. Mais regarde qui est là. Mais oui, c'est bien notre grand responsable du trafic. Bonjour, Jeff. Comment tu vas? Tu es très en beauté. Ah, merci. Mais qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de t'avoir avec nous? Un ordre de qui de droit, Julie? Bon sang, j'envie ces gens qui ont tout le temps des croisières gratuites. Moi, je m'envie aussi. Si je suis là, c'est seulement parce qu'il faut que je m'occupe de problèmes à l'une de nos escales. Mais croyez-moi, si j'avais eu le choix, je ne serais pas là. À plus tard. À plus tard. Ah, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? D'habitude, il est presque toujours prêt à rire. Mais j'en sais rien, je crois bien qu'il n'est plus avec sa femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Juste. Mais est-ce que c'est un... Quel dommage. Ou... Mais peut-être que je peux me placer.
Gopher, tu es idiot. Ah oui, je suis idiot. Nous ne manquons jamais de lire votre article chaque jour, ma sœur et moi. Oui, c'est vrai. Chaque matin, nous levant, nous commençons la journée par la rubrique « Cher Beverley ». Oui, avant même la rubrique nécrologique. Oh, c'est trop gentil, merci. Et votre émission à la télévision le lundi soir est formidable. Merci, c'est trop, vraiment, merci beaucoup. Et vous savez, vous êtes encore beaucoup plus belle que sur l'écran. Oh, vous êtes trop gentille, toutes les deux. C'est ça, très bientôt. Oh, c'est très sincère. Excusez-moi, mesdames, mais je dois conduire Madame Blanchard à sa cabine. Attendez, nous avons un terrible problème. Nous avons un oncle ivrogne qui refuse de se baigner. Oh, et il est ici avec vous? Non. Ah, c'est une chance. Mesdames, Madame Blanchard sera ravie de répondre à vos questions au cours de la séance organisée le dimanche. Ah, je crois que sans vous, j'allais avoir droit à toute la famille. Bon, alors... Non, je regrette, monsieur. Madame Blanchard m'avait déjà demandé de lui montrer sa cabine. Je suis monsieur Blanchard. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il y avait un monsieur Blanchard. Vous n'êtes pas le seul. Non, allez, plains-toi, chérie. Et bon, voyons, voilà. Ah oui, voilà. Alors, vous êtes cabine 304, l'une des plus belles de toutes. Ah, d'accord. Merci beaucoup. De rien, madame. Et si jamais vous avez des ennuis... Non, pardon. Si jamais vous avez des problèmes... Bon, ben, je vous souhaite une bonne croisière. On se verra tout à l'heure. Je suis Adam Baker. Je peux peut-être vous aider. C'est moi le docteur. Merci, mais je vais bien. Mon enfant aussi. Nous voulons seulement savoir où nous allons dormir. Ah non, mais je voulais pas du tout parler de ça. Non. Si vous me dites comment vous vous appelez, je vous indique le numéro de cabine. Oh oui, Gail Smith. Gail Smith, cabine P206, en haut de l'escalier. J'espère que vous et Monsieur Smith passerez une bonne croisière. Merci, mais il n'y a pas de Monsieur Smith. Hmm? Et oui, je sais bien qu'il doit y avoir sûrement des milliers de Monsieur Smith, mais il n'y en a aucun qui est venu avec moi. Alors je dirais que ces nombreux Monsieur Smith commettent une belle erreur. Dans le cas de mon Monsieur Smith, je pense plutôt que c'est moi qui ai commis une belle erreur. Ah. Je crois que nous allons bien nous amuser. Nous allons avoir des vacances, des rêves. Oui, sûrement, oui. Oh, je t'en prie, n'aie pas l'air aussi grincheux. Dis-toi que tu es dans une très jolie suite, sur un bateau, tout ce qu'il y a de bien, et fais-moi un gros sourire, allez. Je te dis que j'apprécierais mieux si j'avais payé Gérard d'être invité parce que ma femme est célèbre. Oh, allez, arrête de dire des sottises. Pourquoi aurions-nous refusé cette invitation? J'aurais seulement à organiser une séance de conseil et c'est tout. Parce que j'ai les moyens de t'offrir de vraies vacances, quelque part où nous serions vraiment seuls, sans les inévitables raseurs, et où tu n'aurais pas à travailler. Oh, chérie, mais c'est pas du travail, j'adore ça. Et toi aussi, je t'adore. Bon, puisque tu aimes ton travail à ce point, cher Beverley, j'ai un grave problème à soumettre d'urgence à votre avis. J'ai l'irrésistible et brutale envie de faire passionnément l'amour à ma femme, signée Pantin amoureux. Oh, cher Pantin, je serais ravie de m'occuper de ce problème avec l'attention qu'il nécessite. Mais il est très difficile de bien faire l'amour en tapant à la machine. Quelle machine ? Oui, excuse-moi, chérie. J'aurais aimé que tu me fasses passionnément l'amour, mais j'ai encore à répondre à quelques lettres avant. Ah, bravo. Ça, c'est épatant, c'est chouette. Non, mais ce ne sera pas très long, je te promets. Oh non, ne me rends pas les choses plus difficiles en me faisant cette vilaine tête. Écoute, pourquoi tu n'irais pas attendre au bar là-haut un moment? Je t'en prie, chérie. Ne me culpabilise pas davantage. Bon. Je crois que je vais aller marcher. Ça me calmera. Cher Beverley, mon grand-fils est un garçon charmant qui pèse plus de 100 kilos et joue pilier au rugby. Mais en rentrant à la maison la semaine passée, je l'ai trouvé habillé avec ma robe la plus décolletée. Qu'est-ce que je dois faire? Un régime draconien? Thank you.
Bon appétit, madame. Oui, allez-y. Oh, merci, Fred. Je peux avoir le ketchup, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Que tu aies fini avant le dîner. Ah oui, moi aussi, chérie. Et maintenant, je suis tout à toi. Oh, excusez-moi, vous attendez une table, vous aussi? Oui, on nous avait installé une table pour deux, mais nous préférons une grande table et des voisins pour bavarder un peu. Ah. Oh, mais vous êtes chère Beverley. Oh, je suis désolée. Oh, non, non, il n'y a aucun mal. Cela m'arrive très fréquemment. Oui, je suis Beverley Blanchard. Et voici mon mari, Russ. Bonsoir. Bonsoir. Et vous savez, si vous avez des problèmes, il est très important de les aborder en public. Et ça permet souvent de les régler. Peut-être, mais si cher Beverley ne réussit pas à nous aider, personne ne réussira. Chérie, je sais que tu aurais voulu passer une soirée à deux, mais je tiens à aider ces charmantes personnes, tu veux bien? Évidemment. Ah. Alors, tout est arrangé. Et pendant le dîner, nous aurons tout le temps de bavarder. Allons-y. Ça, c'est un joli couple. Alors, quand est-ce que tu vas divorcer? Minable! Oh, écoute, qu'est-ce que tu as fait à ces dames encore? Nous prévenons les passagers que le deuxième service vient juste de commencer. Bon appétit à tous. Bon, alors, on va dîner? Eh bien, j'aimerais autant rester avec toi au clair de lune. Ça fait déjà très longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Alors, quoi est-ce que tu te décides seulement maintenant? Peut-être que j'étais un peu trop occupé à gâcher ma vie. Avant tout en ratant mon mariage. Ensuite en vivant avec une autre femme. Alors là, ça a été le fiasco. Mais peut-être qu'avec toi, ça réussira. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Je sens très bien que tu fais ça sans aucune envie. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu es fantastique, tu le sais, tu as tout. Tu es belle comme tout, et intelligente. Et que veux-tu d'autre? Un petit pieux mensonge, ne serviront à rien. Excuse-moi. C'est ta femme. Oui. Je crois que je l'aime encore. Salut, docteur. Bonsoir. Miguel, je ne sais pas si je dois, mais je vous présente Gopher Smith. Bonsoir. Les présentations sont faciles, vous avez le même nom. Eh oui, on m'a déjà appelé d'un tas de façons, mais jamais Gail. On m'a traité un peu de tout, mais jamais de Gopher. Et alors, en plus, vous avez le même genre d'humour, le pire. Non, non, toi, fais attention. Il y a plus de Smith que de Bricker sur Terre. Ah. Ouh, mais il y en aura bientôt un autre. Félicitations. Et je peux me joindre à vous? Malheureusement. Oui, bien sûr. Merci. Alors, comment va s'appeler ce bébé? Oh, j'en sais rien, mais j'aime les noms démodés comme Johnny. Oui, comme Walker. Ou Jack. Alors, comme Daniels. Alors, peut-être Jim. Oui, comme Tonic. Depuis qu'il a été nommé barman, il faut qu'il la ramène sans arrêt. Gail, voici Isaac, le roi du bar. Très heureux. Bonsoir. Si j'étais à votre place, je crois que je l'appellerais Diabolo. Mmh, oh, que c'est fade. Henri. Attendez, et pourquoi pas Jeff? Jeff Smith. Ah oui, ça irait. Je suis navrée, excusez-moi. Gail? Mais revenez, voyons. Lars. Oui, j'aurais mieux fait de dire Tom. Ah oui, comme Collins.
Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, docteur. Allons, allons, c'est rien du tout. C'est rien. Je suis désolée, vous allez être trempée comme sous une douche dans une seconde. Non, mais c'est vrai, mais j'aurais dû apporter du shampoing. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ben, c'est que mon mari s'appelle justement Jeff. Et dans moins de 2 semaines à peine, je l'appellerai mon ex-mari. Je croyais que j'allais enfin pouvoir être plus heureuse après, mais une fois lancée la procédure menant au divorce, j'ai vite découvert que je l'aimais toujours. Comment un homme peut-il divorcer de la femme qui porte son enfant? C'est qu'il n'en sait rien, justement. Quand il est parti, il ne le savait pas et je ne me servirai pas de l'excuse du bébé pour le faire revenir. Pourtant, il a le droit de le savoir. Mais je lui ai téléphoné tout de suite. Je voulais le lui dire et voir ce qu'il projetait alors de faire. Mais une femme a décroché et il m'avait trouvé une remplaçante. Tenez, essayez dans celle-là. Elle est sèche. Oh, docteur. Je m'en veux te délaisser autant. Mais j'ai utilisé ces 2 dernières heures à bien avancer mon bouquin. Ton bouquin? Oui. D'abord tes articles, puis ton bouquin. Pourquoi je suis venue? Tu aurais pu emporter ma photo. Non, Russ, ne dis pas de sottises. Est-ce que tu as une idée de la date à laquelle remontent nos dernières vacances à tous les deux? Oui, j'avais 9 ans et toi 4. Oh, je ne savais pas que c'était aussi récent. Oh, chérie, je suis tellement heureuse d'être avec toi. Tu sais, en général, les époux sont souvent ensemble. Écoute, je te suggère de commencer l'apéritif un peu plus tôt que d'habitude. Est-ce que tu aurais l'intention aussi honteuse que sournoise de faire boire ta femme et ensuite d'abuser d'elle? Exactement. D'accord. Je reviens tout de suite. Je lui avais dit 100 fois. Oui, je sais. Bon, rhum soda, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Et excusez-moi, n'est-ce pas que c'est votre femme qui est là-bas? C'est bien cher Beverley. Oui. Bien. Ah oui. Ah, je me disais bien qu'elle avait une patience d'ange. Elle est toujours entourée de raseurs. C'est exact. Et ces raseurs tiennent son mari à l'écart. Alors j'en profite dès qu'elle est seule un instant. Et dis donc, t'as vu ça un peu? Il t'a laissé 3 $ de pourboire. Il a oublié de payer les verres. Ah! Quand votre belle-mère vous rend visite, combien de temps doit-elle rester? Oh, voyons, ça dépend si vous êtes à la maison ou non. Ton verre, ma chérie. Oui, dans un moment, s'il te plaît. Mais pourquoi critiquer les belles-mères tout le temps? Pourquoi les beaux-pères n'ont-ils pas aussi leur lot? Et on peut aller plus loin. Pourquoi ne pas se critiquer soi-même? Eh oui, il faut avouer qu'aucune de nous n'est parfaite. Nous avons toutes de petits défauts. Oh, moins gros que ceux des hommes, bien sûr. Il faut reconnaître qu'elle est très populaire, votre femme. Oh oui, ça oui alors. Dites, est-ce que vous seriez vexé si je vous offrais son verre? Je peux vous dire qu'il est très bien dosé, je suis allé le faire servir moi-même. Alors si vous vous êtes dérangé vous-même, je n'ai pas le droit de le refuser. Bravo. Oh, voilà enfin un joli couple. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? C'est le mari de cher Beverley. Oh, oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez du ketchup? Alors plongez. Retournez plutôt à la cuisine et emmenez ce ketchup avec vous. Il faudrait plutôt me tuer. Oh non, ne me tentez pas. C'est vraiment extraordinaire. J'ai jamais eu ce genre de problème avec d'autres chefs. Mais Borga n'est pas n'importe quel chef. Je suis le numéro uno. Ça n'a rien de très facile de préparer plusieurs centaines d'excellents repas par jour. Et comment le seriez-vous? Oh, regardez qui ose dire ça. C'est Christophe Colomb. Hein? Il dirige son bateau vers le Mexique. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à danser toute la semaine. Commander un tel bateau est une tâche plus compliquée, ne vous en déplaise, que de battre des œufs. Ah, que de battre des œufs, hein? Alors là, vous parlez à un homme connu pour accomplir des miracles avec les œufs. Vous les pondez, ça, oui, je sais. Oh, oh stupido. Ignorante. Il a l'air en colère après vous.
Albert, vous voulez bien emmener ça? Certainement. C'est l'histoire de ma vie. Je perds tout le temps. Jeff, pourquoi compliques-tu aussi idiotement toute cette histoire? Enfin, si tu aimes ta femme à ce point-là, pourquoi ne retournes-tu pas tout de suite auprès d'elle? Elle me rira au nez. Je n'ai plus d'espoir maintenant. Après l'avoir quittée, j'ai habité avec une petite amie. Et je connais qu'elle, elle me pardonnera jamais ça. Et qu'est-ce que tu en sais si tu n'en as pas discuté avec elle? C'est comme ça. Alors tu ne vas pas essayer? Non. Mais tu t'acharnes toujours sur cette machine. Oui, je n'ai même pas ramassé une seule fois. Vous avez une pièce? Je vais essayer cette machine. Oui, bien sûr. Tenez, voilà. Mais on partage. Bien sûr. Oh, j'ai gagné, regardez ça. C'est un miracle. Attendez, Tédéo, je croyais qu'on avait dit qu'on partageait. Ah oui. Voilà votre pièce. Mais comment est-ce qu'on peut envoyer de telles lettres? Non, mais en général, les lettres proviennent de personnes absolument normales qui ont de véritables problèmes. Mais il y a des exceptions. Oh, tenez, comme cette femme qui disait que la secrétaire de son mari travaillait au bureau avec juste un soutien-gorge transparent et une toute petite culotte. Grâce à ça, il économisait sur l'air conditionné. Et qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Eh bien, je lui ai conseillé de dire à son mari qu'elle allait en faire autant à la maison. Oh, excusez-moi en retard. Racontez-moi une autre. Oh, si je commence, alors vous en avez pour la nuit entière à m'écouter. Bonsoir. Tiens, comment on se retrouve? Oui. Oui, il y a cette vieille fille de 40 ans qui m'écrit qu'elle a lu un bouquin intitulé « Le sexe après 70 ans ». Alors, elle voulait savoir si elle allait être forcée d'attendre jusque-là. Oh. C'est vraiment incroyable. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir pour dîner? Ah oui, voyons ça. Oh, je crois que ce soir, je prendrai un steak, bien cuit, s'il vous plaît. Avec une salade verte. Mmh. Oh, zut! Moi qui rêvais d'un délicieux soufflé aux fraises, il n'y en a pas d'inscrit au menu. Un soufflé aux fraises? Il suffit de me le demander. Goffer, approchez-vous, s'il vous plaît. Voulez-vous bien dire au chef que le commandant voudrait avoir un soufflé aux fraises comme dessert? Mais tout de suite! Oh, commandant, je suis vraiment très impressionné. Il n'y a vraiment pas de quoi. Non, oh, mais c'est très rare, un homme aussi écouté. Oh, vous croyez? Ne soyez pas trop modeste, commandant. Avouez que vous êtes un homme qui obtient tout ce qu'il veut. Il faut bien quelqu'un pour commander. Ah oui, excellente idée, oui. Eh bien, le chef a répondu qu'il aille se faire voir. Que j'aime, hein? Non, mais c'est sûrement un malentendu. Non, pas du tout, non. Et en fait, les paroles qu'il a prononcées à votre égard étaient plus crues que celles que je vous ai racontées. Oui, mais c'est vrai, hein? Je suis navré, excusez-moi. Oui, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi. Dors, sortez de ma cuisine. Votre cuisine fait partie de mon navire et je vous demande un soufflé aux fraises pour le dessert. Vous avez une demande à faire? Adressez-vous aux réclamations, alors. Je n'ai aucune intention de supporter un cuisinier de rien du tout. Un cuisinier de rien du tout? Absolument. Borgre! Présentez-moi tout de suite vos excuses! Jamais. Bon, écoutez, si je ne reçois pas d'excuses écrites de votre part avant demain soir, c'est le dernier dîner que je cuisinerai sur ce navire! Vous n'appelez pas ça un dîner? Sortez d'ici ou bien je vous transforme en viande hachée! Vous risqueriez trop de vous couper, hein? Je croyais l'avoir déjà répété, je ne sais plus combien de fois, ce n'est pas le melon qu'on mange, mais juste le persil qui va le partir dans les choux. Je vous prie de m'excuser, mais le chef n'avait plus de fraises en cuisine. Non, ce n'est rien. En réalité, je n'ai aucun besoin de toutes ces calories. Quant à Russ, il a horreur de... Russ? Oh, il s'est levé de table? Ah, oh, et quand ça? Vous ne vous en souvenez pas? Vous lui avez dit bonsoir? Non.
Non, il faut dire que dès l'instant où je parle de mon travail, je pars sur une autre planète. Un soir à New York, je signais des autographes au studio après mon émission télévisée. Ma mère s'est approchée à cet instant-là. Je lui écris « Avec mes vœux de réussite à ». Je la regarde en disant « Quel nom aimeriez-vous que j'écrive ?» J'en ai marre de monter ces escaliers. J'en ai mon ninja. J'en ai marre de descendre ces escaliers. Eh bon, alors, j'apporterai une table pour que vous puissiez prendre vos notes. Oh non, je n'utilise jamais de notes, ça ne sert qu'aux idiots. C'est vrai, oui. Bon, très bien, Madame Blanchard, laissez-moi faire, nous installerons tout comme vous l'avez demandé. Ah, mais c'est très gentil, merci beaucoup. Mais dis donc, c'est cher Beverly avec qui t'étais à l'instant. Oui, j'aime bien ce genre-là, moi. Mm-hmm. Alors surtout, ne la quitte pas parce que tu auras bientôt tes chances. Bon, dis donc, tu veux t'expliquer? Et hier soir, quand les autres dînaient, j'ai eu l'occasion de voir son mari flirter là-haut dans le noir avec une jolie passagère. Tu rigoles? Et ils avaient l'air de s'entendre tous les deux. Bon sang, mais c'est fort, ça, alors. Ce non, type... une petite minute, tu vas trop vite. Tout est de sa faute à elle. Elle passe tellement de temps à parler avec tout le monde autour d'elle que lui se retrouve toujours à l'écart. Oui, pourtant, c'est évident qu'elle l'aime. Bon, alors je vais lui dire. Oh, t'es malade. Tu n'as surtout pas à te mêler de ça. Oui, mais si je lui dis rien, son mariage peut en être brisé. Et si je lui dis, son mariage peut aussi en être brisé. Alors je pourrais aller le dire à son mari. Non, mais lui, il est au courant. Oui, c'est vrai. Alors je sais pas quoi faire. Je crois que c'est un problème pour... Cher Beverly. Ah oui, et tu peux même dire que c'est son problème. Voulez-vous vous asseoir une minute? Oui. Ah, quelle magnifique journée. J'ai simplement dit quelle magnifique journée. Qu'est-ce qu'il y a? Mon esprit commence lui aussi à s'en mêler. Pendant un moment, j'ai senti le tabac que Jeff prend pour sa pipe et ensuite le bébé a cogné. Oh, docteur, je me suis mise toute seule en plein drame. Vous voyez, je veux que le bébé connaisse son père. Et c'est ce qui serait arrivé si je n'avais pas été aussi stupide pour pratiquement pousser Jeff dans les bras d'une autre femme. Gail, je dois vous prévenir que je n'ai plus d'épaule sèche. Ça ne sert à rien de me raconter ça à moi, c'est à votre mari qu'il faut le dire. Écoutez, vous avez gagné une poignée de pièces, alors qu'est-ce que vous attendez pour aller en mettre une dans un téléphone? Et peut-être que j'aurai un peu de chance. Merci, docteur. Docteur... Merci. Alors n'oubliez pas, respectez toujours les vieilles règles d'or. Et au prix où est l'or ces temps-ci, ces vieilles règles ont encore plus de valeur. Oh. Merci, merci beaucoup. Oh, excusez-moi, oui. Pourriez-vous m'apporter un verre d'eau? J'ai l'estomac qui gargouille, j'ai dû trop manger hier soir. Oui, tout de suite. Merci. Qui a des questions? Oui. J'ai projeté de me marier en sortant de l'université d'ici un an. Quels sont les plus beaux endroits pour passer un voyage de noces? Ah, voilà un problème que je n'ai pas encore pu résoudre. Oh! Mais je suis sûre que notre agence de voyage saura vous trouver quelque chose de formidable. Oh, merci. Une autre question? Oui? Oh, rien, excusez-moi.
T'en fiche. Oui, Gopher. Oui, non, mais il ne s'agit pas de moi. Ah, bah voyons. Oui, ils disent tout ça. Allez-y. Bon, voilà, c'est une vieille amie, une femme très jolie, très intelligente, très attirante, mais son travail l'absorbe tellement qu'elle ne prête plus aucune attention à son mari. Alors il commence à aller voir ailleurs. Alors je voudrais aider mon ami, mais comment lui dire ? Oh, voyons, mais ne soyez pas inquiet. Si elle consacre son temps à son travail en ne prêtant plus la moindre attention à son mari, celui-ci a raison d'aller voir une autre personne qui saura l'apprécier. Bon, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Et je vous remercie beaucoup. Commandant, moi, je vous dis que Berga nous embêtera s'il n'a pas d'excuses. Il arrêtera son travail et il convaincra tous les autres de faire comme c'est lui. C'est absurde, il ne le fera pas. Mais si jamais il le Mademoiselle fait... Mademoiselle McCoy, il m'est arrivé de naviguer sur tous les bateaux, du croiseur au dériveur. J'ai traversé des typhons, je fais des batailles navales. Faites-moi le plaisir de croire que je pourrai encore gagner cette guerre. Alors, Julie, tu as fini ta salade? Sois gentil, oublie-moi une petite minute et concentre-toi sur ta... Oh, dis donc, c'est curieux ton truc là, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, on m'a dit de le faire, on m'a pas dit d'y goûter. Arrête de jeter tes épluchures de pommes de terre dans ma soupe, tu veux? Dans ta soupe, ça? Ben, j'aurais juré que c'était la poubelle. Dis donc, tu veux m'aider à tourner la soupe? Mais bien sûr, j'arrive. Ah ben, on peut pas dire que tu as lésiné sur les légumes. Oh, il va falloir la servir en morceaux. Attendez, poussez-vous de là, s'il vous plaît. Laissez-moi goûter. Ça manque du ketchup. Alors ça vient, ces pommes de terre, Monsieur Smith? Bon, ben j'ai déjà épluché la moitié de nos réserves. Combien vous en voulez? Eh bien, pelez l'autre moitié et ensuite arrêtez-vous. Si vous voulez voir du travail bien fait, allez-y, admirez. Qu'est-ce que vous nous racontez? C'est carbonisé, ce que vous nous montrez là. Commandant, le porc doit se manger seulement très, très cuit. Ne me dites pas que c'est du porc, ça. Ah non, ça, ce sont des filets de sol. Oh, commandant, toute cette histoire est complètement stupide. Non, je ne dis pas ça à cause de moi, mais je trouve que ce n'est pas juste vis-à-vis des passagers, commandant. Présentez-lui vos excuses, allez. Jamais. Encore, Mlle McCoy. Merci. C'était sûr. Je savais bien que vous viendriez pour vous excuser. Ajoutez-y du ketchup. Mais non, ne partez pas, qui va faire les gâteaux? Rassurez-vous, Julie, je les ferai quand on ne me dérangera pas. Parce que c'est bête, cette histoire. Mais vous savez bien que vous n'auriez pas à faire tout cela sans l'entêtement du commandant. Je lui demande seulement de me présenter ses excuses. C'est par écrit. Tiens. Est-ce que l'un de vous trois sait faire défaut? Moi, j'en ai fait pour entrer ici. Oh, l'entrée! Qu'est-ce qu'on va leur faire comme entrée? Regardez, Monsieur Borga, je crois que c'est ce que vous vouliez. Ah, je le savais qu'il finirait par s'excuser. Oui. Il est un peu borné, votre commandant, mais il sait reconnaître qu'il a perdu une bataille. Alors, vous allez retourner à la cuisine? Oui, bien sûr. La place d'un grand maestro est au cœur de son orchestre. Pas dans la salle. Mes excuses les plus sincères, Antonio Borga. J'avais dit qu'il me les ferait. Vous savez qu'il finirait par craquer en voyant que je réussissais à le remplacer au fourneau. Oh, pardon, je ne savais pas que tu travaillais. Oh non, au contraire, viens, s'il te plaît. C'est un peu spécial ce que j'ai fait, je voudrais te le lire. Bon, d'accord. Cher lecteur, aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'écrivez, c'est moi qui vous envoie ces quelques mots.
Vous n'aurez pas de nouvelles de moi pendant 2 semaines parce que je partirai en vacances avec mon mari. Je ne sais pas où nous allons, mais je suis sûre qu'il a trouvé un coin perdu où nous pourrons vivre l'un près de l'autre, merveilleusement seuls. Je vous consacre la plus grande partie de mon temps, mais si je ne trouve pas le moyen de passer davantage de temps auprès de lui, je risque de le perdre. Et rien au monde ne pourrait m'en consoler. Ni la gloire, ni la fortune, rien. Votre confidente, Madame Russell Blanchard. Il n'est pas trop tard. Je n'ai pas résilié mon abonnement. Je t'aime très fort, Beverly. Mais Peggy, c'est juste... Oh non, 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 attention, il ne faut jamais avouer. Ça ne résout jamais rien. Un conseil d'une spécialiste? Oh, je ne donnerai pas un seul conseil pendant 2 semaines. Il faudra que tu écrives à un autre hebdomadaire. Je vois avec plaisir que tout me paraît être redevenu normal. Oh, effectivement, commandant, vous avez de la chance. Commandant, on peut peut-être laisser le chef. Je suis persuadé qu'il a beaucoup de travail, que nous l'ennuyons. Une minute. Antonio, je sais que je n'ai pas un caractère des plus faciles, c'est évident. Oh, ça, oui. Et je sais que je vous ai poussé vraiment à bout. Alors, je tiens à vous dire que vous avez fait preuve d'un très grand courage en acceptant de me présenter vos excuses. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai jamais présenté d'excuses. C'est vous qui avez rabattu votre caca. Quoi? Moi? Je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais écrit ça. Mais alors qui est-ce? Je me le demande. On peut peut-être le savoir. Oui. Et commandant, attention, il se prépare peut-être un mauvais coup. Oui, sûrement. Oh. Alors, vous n'avez jamais présenté d'excuses? Il n'y a pas de raison, je n'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Elle est à moi, cette cuisine. Vous travaillez pour moi, il faudrait vous enfoncer ça dans le crâne et ne pas l'oublier. Très bien. Très bien. Je vous présente des excuses. Pour le salut de ma compagnie, pour le salut de mes hommes, pour le salut de mes passagers. Commandant, vous êtes un type très bien. Et parce que sincèrement, je me vois très mal apportant ce que j'ai fait à mes clients, autrement dit, rien. Vous n'allez quand même pas tout abandonner à cause d'un coup de téléphone. Il ne s'agit pas d'un coup de téléphone, mais d'une dizaine de coups de téléphone. Finalement, j'ai appelé son bureau et on m'a dit qu'il était en voyage. Je vous parie qu'il est parti avec elle. Non, une petite minute. Votre mari s'occupe de la condition des voyages, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, d'accord. Bon, alors, il s'absente toute l'année. Et où avez-vous vu qu'il était parti accompagné? Vous avez raison, oui, c'est vrai. Je suis trop pessimiste et je dois commencer à vous taper sur les nerfs. Oh, c'est pas grave, je suis psychiatre, je me soignerai plus tard. Nous avons préféré nous éclipser sans trop nous expliquer. Mais finalement, le commandant a accepté de présenter des excuses et il était sincère. J'arrivais pas à le croire. Enfin bref, c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi aujourd'hui. C'est pas grave, ça m'a permis de réfléchir. C'est vous qui avez raison. Je vais rejoindre Gayle et je vais lui dire que je l'aime. Oh! Et je l'aime de tout mon cœur. Et tout ce que je veux, c'est vivre auprès d'elle. Ah, oh, Jeff, c'est formidable! Alors je lui ai dit, si tu veux vraiment refaire... Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Jeff! Et ça, c'est sûrement elle! C'est Julie McCoy, notre relation publique. Oh. 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 Non! Quoi? Je crois que mon bébé...
Non, mais c'est rien du tout, ça. Non, vous passez votre bras derrière mon cou, c'est pas grave du tout. Rassurez-vous, c'est rien. Jeff! Non, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Non, monsieur, excusez-nous, on est pressés. Je suis le mari. Oui, mais dans quelques instants, vous serez non seulement le mari, mais vous serez aussi le père. Chérie! Alors, allons, accrochez-vous, moi je vais vous porter jusqu'à mon cabinet. Oui, je m'en charge. Oui, d'accord, mais doucement, hein. Oui, mais... Oh, chérie, excuse-moi, je ne sais pas ce qui nous est arrivé, mais je te jure que c'est fini. Docteur, tu as besoin de moi? Non, pas question. J'ai assez de travail avec elle, hein. Continuez, allez-y. J'ai pensé à toi tout le temps, depuis la minute où nous avons été séparés. Respirez. C'est ce que je fais? Pas vous, elle. Oh. Oh, j'avais trop d'orgueil pour avouer mes torts. Mais c'est fini maintenant. Allez, poussez. J'ai tellement de choses à te dire, mais il va falloir qu'on attende. Julie, Julie, tu t'assieds et moi je marche. Bon, d'accord. Pourquoi ça dure si longtemps? Mais je sais pas, moi, j'ai jamais eu de bébé. Moi non plus, ne me regarde pas comme ça. Le docteur a déjà mis des bébés au monde? Pas de panique, hein. Je n'avais jamais fait de soupe pour 600 personnes. Mais elle a été extra. Pour repeindre les murs, oui. Je suis sûre qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le docteur fait toujours de l'excellent boulot. Oui, oui, je sais, je sais. Mais franchement, ce qui me surprend toujours chez lui, c'est que ce soit un vrai docteur. Mais oui, c'est pas seulement un surnom. Bon, alors, est-ce que mon nouveau passager s'est montré? Non, pas encore. Enfin, pourquoi est-ce que c'est aussi long? Le docteur a déjà mis des bébés au monde? C'est un vrai docteur, au moins, vous êtes sûr? Allez-y, poussez. Il se présente très bien. Mais pourquoi c'est aussi long? Épongez-moi, vous voyez? Allez-y, poussez une dernière fois. Il sort. Eh oui, le voilà. Le voilà. Oui, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Ça y est. Ça y est. Bonjour, monsieur Smith. Ah, c'est un garçon, ma chérie. Docteur, dites-moi la vérité maintenant. C'est le premier bébé que vous mettez au monde? Le premier? Mais qu'est-ce que vous racontez? J'exerce depuis déjà plus de 10 ans. C'est le deuxième. C'est peut-être un vrai docteur. Ne me dites pas que vous avez fait toute la croisière et que je ne vous ai jamais vu. Mais vous me voyez maintenant? Mieux vaut tard que jamais. Regarde, c'est lui qui était avec la dame enceinte. C'est la créature qui dévoyait le mari de Cher Beverley qui l'accompagne. Enragé du sexe! Oh, mais alors là, je commence à regretter de ne pas vous avoir rencontré.
Gaffer, Gaffer, merci encore pour tout du plus profond de mon cœur. Ah, mais je crois que votre conseil va marcher pour mon ami. Ah, oui, ils seront sûrement très heureux après ça. Mais de quoi vous parlez? Voyez, j'ai un couple de hamsters et ces derniers temps, le monsieur hamster se posait des questions. Au revoir. Tiens, ça c'est à toi. Oh, oui, encore merci. Au revoir. C'est vrai, vous êtes un très grand chef. Revenez naviguer avec moi autant que ça vous plaira. Oh, grazie mille. Et je tiens à vous dire que vous êtes un grand commandant. Oh, merci. Je voulais vous dire que votre soufflé aux fraises d'hier soir était le meilleur que j'ai jamais goûté. Ah, j'étais sûr que vous l'aimeriez. Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'y mets du ketchup. Hein? Oh non, c'est juste pour rigoler. Vous voyez que le chef Borga a le sens de l'humour, lui aussi. Oui. Allez, au revoir, Meryl. Ciao, Antonio. Oh, regarde comme il est beau. Jeff, tu ne reviens pas à la maison à cause du bébé, j'espère. Mais si. Quoi? Et j'en reviens à cause de toi. Je pense avoir compris. Tu es la seule que j'aime. Regardez qui voilà. Il n'y a plus qu'à nous séparer. Comment pourrons-nous assez vous remercier, docteur? Oui, merci, docteur. Mais je vous enverrai ma note dans la matinée. Et toi, Julie, tu es une vraie amie, une bonne conseillère matrimoniale. Oh, rassure-toi, je t'enverrai ma note, moi aussi. Bon, allez, dis au revoir à tonton Isaac. Au revoir, Jaspis. À tonton Gopher, à tonton Adam. À tata Julie et à tonton Meryl. Nana, tonton, commandant. Allez, avance, il faut encore passer la douane. Alors là, vous avez quelque chose à déclarer, là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir que tout me paraît être redevenu normal. Oh, effectivement, commandant, vous avez de la chance. Commandant, on peut peut-être laisser le chef. Je suis persuadée qu'il a beaucoup de travail, que nous l'ennuyons. Une minute. Antonio, je sais que je n'ai pas un caractère des plus faciles, c'est évident. Oh, ça, oui. Et je sais que je vous ai poussé vraiment à bout. Alors, je tiens à vous dire que vous avez fait preuve d'un très grand courage en acceptant de me présenter vos excuses. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai jamais présenté d'excuses. C'est vous qui avez rabattu votre tête. Quoi? Moi? Je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais écrit ça. Mais alors, qui est-ce? Je me le demande. On peut peut-être le savoir. Oui. Et commandant, attention, il se prépare peut-être un mauvais coup. Oui, sûrement. Alors, vous n'avez jamais présenté d'excuses? Il n'y a pas de raison, je n'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Elle est à moi, cette cuisine. Vous travaillez pour moi, il faudrait vous enfoncer ça dans le crâne et ne pas l'oublier. Très bien. Très bien. Je vous présente des excuses.
pour le salut de ma compagnie, pour le salut de mes hommes, pour le salut de mes passagers. Commandant, vous êtes un type très bien. Et parce que sincèrement, je me vois très mal apportant ce que j'ai fait à mes clients, autrement dit, rien. Vous n'allez quand même pas tout abandonner à cause d'un coup de téléphone. Il ne s'agit pas d'un coup de téléphone, mais d'une dizaine de coups de téléphone. Finalement, j'ai appelé son bureau et on m'a dit qu'il était en voyage. Je vous parie qu'il est parti avec elle. Non, une petite minute. Votre mari s'occupe de la condition des voyages, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, oui, d'accord. Bon, alors, il s'absente toute l'année. Et où avez-vous vu qu'il était parti accompagné? Vous avez raison, oui, c'est vrai. Je suis trop pessimiste et je dois commencer à vous taper sur les nerfs. Oh, c'est pas grave, je suis psychiatre, je me soignerai plus tard. Nous avons préféré nous éclipser sans trop nous expliquer. Allez-y, poussez. Il se présente très bien. Mais pourquoi c'est aussi long? Épongez-moi, allez. Allez-y, poussez une dernière fois. Il sort. Eh oui, le voilà, le voilà. Oui, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Ça y est, ça y est. Bonjour, Monsieur Smith. Oh, c'est un garçon, ma chérie. Oh. Ouf. Docteur, dites-moi la vérité maintenant. C'est le premier bébé que vous mettez au monde? Le premier? Mais qu'est-ce que vous racontez? J'exerce depuis déjà plus de 10 ans, moi. C'est le deuxième. Oui. Finalement, c'est peut-être un vrai docteur. Ne me dites pas que vous avez fait toute la croisière et que je ne vous ai jamais vu. Mais vous me voyez maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Regarde, c'est lui qui était avec la dame enceinte. C'est la créature qui dévoyait le mari de Cher Beverly qui l'accompagne. Enragé du sexe. Oh, mais alors là, je commence à regretter de ne pas vous avoir rencontré. Gaffer, merci encore pour tout du plus profond de mon cœur. Allez, je crois que votre conseil va marcher pour mon ami. Oui, ils seront sûrement très heureux après ça. Mais de quoi vous parlez? Voyez, j'ai un couple de hamsters et ces derniers temps, le monsieur hamster se posait des questions. Au revoir. Tiens, ça c'est à toi. Oh, oui, encore merci. Au revoir. C'est vrai, vous êtes un très grand chef. Revenez naviguer avec moi autant que ça vous plaira. Oh, grazie mille. Et je tiens à vous dire que vous êtes un grand commandant. Oh, merci. Je voulais vous dire que votre soufflé aux fraises d'hier soir était le meilleur que j'ai jamais goûté. Ah, j'étais sûr que vous l'aimeriez. Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'y mets du ketchup. Hein? Oh non. C'est juste pour rigoler. Vous voyez que le chef Borga a le... De me présenter vos excuses. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai jamais présenté d'excuses. C'est vous qui avez rabattu votre caquette. Quoi? Moi? Je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais écrit ça. Mais alors qui est-ce? Je me le demande. On peut peut-être le savoir. Oui. Et commandant, attention, il se prépare peut-être un mauvais coup. Oui, sûrement. Alors, vous n'avez jamais présenté d'excuses? Il n'y a pas de raison, je n'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Elle est à moi, cette cuisine. Vous travaillez pour moi, il faudrait vous enfoncer ça dans le crâne et ne pas l'oublier. Très bien.
Très bien. Je vous présente des excuses. Pour le salut de ma compagnie, pour le salut de mes hommes, pour le salut de mes passagers. Commandant, vous êtes sorti très bien. Et parce que sincèrement, je me vois très mal apportant ce que j'ai fait à mes clients, autrement dit, rien. Je vous en prie, vous n'allez quand même pas tout abandonner à cause d'un coup de téléphone. Il ne s'agit pas d'un coup de téléphone, mais d'une dizaine de coups de téléphone. Finalement, j'ai appelé son bureau et on m'a dit qu'il était en voyage. Je vous parie qu'il est parti avec elle. Non, une petite minute. Votre mari s'occupe de la condition des voyages, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, oui, d'accord. Bon, alors, il s'absente toute l'année. Et où avez-vous vu qu'il était parti accompagné? Vous avez raison, oui, c'est vrai. Je suis trop pessimiste et je dois commencer à vous taper sur les nerfs. Oh, c'est pas grave, je suis psychiatre, je me soignerai plus tard. Nous avons préféré nous éclipser sans trop nous expliquer. Mais finalement, le commandant a accepté de présenter des excuses et il était sincère. J'arrivais pas à le croire. Enfin bref, c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi aujourd'hui. C'est pas grave, ça m'a permis de réfléchir. C'est vous qui avez raison. Je vais rejoindre Gail et je vais lui dire que je l'aime. Oh, et je l'aime de tout mon cœur. Et tout ce que je veux, c'est vivre auprès d'elle. Ah, oh, Jeff, c'est formidable. Alors je lui ai dit, si tu veux vraiment refaire... Mon Dieu. Cécile. Mais c'est Jeff et ça, c'est sûrement elle. C'est Julie McCoy, notre relation publique. Oh. 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 Non. Quoi? Je crois que mon bébé... Non, mais c'est rien du tout, ça. Non, vous passez votre bras derrière mon cou, c'est pas grave du tout. Rassurez-vous, c'est rien. Jeff. Jeff. Non, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Non, monsieur, excusez-nous, on est pressés. Je suis le mari. Autrement dit, rien. Je vous en prie, vous n'allez quand même pas tout abandonner à cause d'un coup de téléphone. Il ne s'agit pas d'un coup de téléphone, mais d'une dizaine de coups de téléphone. Finalement, j'ai appelé son bureau et on m'a dit qu'il était en voyage. Je vous parie qu'il est parti avec elle. Non, une petite minute. Votre mari s'occupe de la condition des voyages, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, oui, d'accord. Bon, alors, il s'absente toute l'année. Et où avez-vous vu qu'il était parti accompagné? Vous avez raison, oui, c'est vrai. Je suis trop pessimiste et je dois commencer à vous taper sur les nerfs. Oh, c'est pas grave, je suis psychiatre, je me soignerai plus tard. Nous avons préféré nous éclipser sans trop nous expliquer. Mais finalement, le commandant a accepté de présenter des excuses et il était sincère. J'arrivais pas à le croire. Enfin bref, c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi aujourd'hui. C'est pas grave, ça m'a permis de réfléchir. C'est vous qui avez raison. Je vais rejoindre Gail et je vais lui dire que je l'aime. Oh, et je l'aime de tout mon cœur. Et tout ce que je veux, c'est vivre auprès d'elle. Ah, oh, Jeff, c'est formidable. Alors je lui ai dit, si tu veux vraiment refaire... Mon Dieu. Cécile. Mais c'est Jeff et ça, c'est sûrement elle. C'est Julie McCoy, notre relation publique. Oh. 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 Non. Quoi? Je crois que mon bébé... Non, mais c'est rien du tout, ça. Non, vous passez votre bras derrière mon cou, c'est pas grave du tout. Rassurez-vous, c'est rien. Jeff. Jeff. Non, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Non, monsieur, excusez-nous, on est pressés. Je suis le mari. Oui, ben dans quelques instants, vous serez non seulement le mari, mais vous serez aussi le père. Oh, chérie. Alors, allons, là, accrochez-vous. Moi, je vais vous porter jusqu'à mon cabinet. Oui, je m'en charge. Oui, d'accord, mais doucement, hein. Oui, mais... Oh, chérie, excuse-moi, je ne sais pas ce qui nous est arrivé, mais je te jure que c'est fini. Docteur, tu as besoin de moi? Non, pas question. J'ai assez de travail avec elle, hein. Continuez, allez-y. J'ai pensé à toi tout le temps, depuis la minute... Nous avons été séparés. Respirez. C'est ce que je fais? Pas vous, elle. Oh. Oh, j'avais trop d'orgueil pour avouer mes torts. Mais c'est fini maintenant. Allez, poussez. J'ai tellement de choses à te dire, mais il va falloir qu'on attende. Julie, tu t'assieds et moi je marche. Bon, d'accord. Pourquoi ça dure si longtemps? Mais je sais pas, moi, j'ai jamais eu de bébé. Moi non plus, ne me regarde pas comme ça.
Alors n'oubliez pas, respectez toujours les vieilles règles d'or. Et au prix où est l'or ces temps-ci, ces vieilles règles ont encore plus de valeur. Oh. Merci, merci beaucoup. Oh, excusez-moi, oui. Pourriez-vous m'apporter un verre d'eau? J'ai l'estomac qui gargouille, j'ai dû trop manger hier soir. Oui, tout de suite. Merci. Qui a des questions? Oui. J'ai projeté de me marier en sortant de l'université d'ici un an. Quels sont les plus beaux endroits pour passer un voyage de noces? Ah, voilà un problème que je n'ai pas encore pu résoudre. Oh! Mais je suis sûre que notre agence de voyage saura vous trouver quelque chose de formidable. Oh, merci. Une autre question? Oui? Oh, rien, excusez-moi. Oui, Goffer? Oui, non, mais il ne s'agit pas de moi. Ah, bah voyons. Oui, ils disent tout ça. Allez-y. Bon, voilà, c'est une vieille amie, une femme très jolie, très intelligente, très attirante, mais son travail l'absorbe tellement qu'elle ne prête plus aucune attention à son mari. Alors, il commence à aller voir ailleurs. Alors, je voudrais aider mon ami. Mais comment lui dire? Oh, voyons, mais ne soyez pas inquiets. Si elle consacre son temps à son travail en ne prêtant plus la moindre attention à son mari, celui-ci a raison d'aller voir une autre personne qui saura l'apprécier. Bon, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Et je vous remercie beaucoup. Moi, je vous dis que Berga nous embêtera s'il n'a pas d'excuses. Il arrêtera son travail et il convaincra tous les autres de faire comme c'est lui. C'est absurde, il ne le fera pas. Mais si jamais il le Mademoiselle fait... Mademoiselle McCoy, il m'est arrivé de naviguer sur tous les bateaux, du croiseur au dériveur. J'ai traversé des typhons, j'ai fait des batailles navales. Faites-moi le plaisir de croire que je pourrai encore gagner cette guerre. Alors, Julie, tu as fini ta salade? Sois gentille, oublie-moi une petite minute et concentre-toi sur ta... Oh, dis donc, c'est curieux ton truc, là, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, on m'a dit de le faire, on m'a pas dit d'y goûter. Mais là, arrête de jeter tes épluchures de pommes de terre dans ma soupe, tu veux? Dans ta soupe, ça? Ben, j'aurais juré que c'était la poubelle. Dis donc, tu veux m'aider à tourner la soupe? Mais bien sûr, j'arrive. Ah. Ah ben, on peut pas dire que tu as lésiné sur les légumes. Oh, il va falloir la servir en morceaux. Attendez, attendez, poussez-vous de la... Que vous êtes un homme qui obtient tout ce qu'il veut. Il faut bien quelqu'un pour commander. Ah oui, excellente idée, oui. Eh ben, le chef a répondu qu'il aille se faire voir. Que j'aime, hein? Non, mais c'est sûrement un malentendu. Non, pas du tout, non. Et en fait, les paroles qu'il a prononcées à votre égard étaient plus crues que celles que je vous ai racontées. Oui, mais c'est vrai, hein. Je suis navré, excusez-moi. Non, mais bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi. Dehors, sortez de ma cuisine. Votre cuisine fait partie de mon navire et je vous demande un soufflet aux fraises pour le dessert. Vous avez une demande à faire? Adressez-vous aux réclamations, alors. Je n'ai aucune intention de supporter un cuisinier de rien du tout. Un cuisinier de rien du tout? Absolument. Borg! Présentez-moi tout de suite vos excuses! Jamais? Bon, écoutez, si je ne reçois pas d'excuses écrites de votre part avant demain soir, c'est le dernier dîner que je cuisinerai sur ce navire! Vous n'appelez pas ça un dîner? Sortez d'ici ou bien je vous transforme en viande hachée! Vous risqueriez trop de vous couper? Je croyais l'avoir déjà répété, je ne sais plus combien de fois, je n'ai pas le melon qu'on hache, mais juste le persil, tu vas le partir dans les choux. Je vous prie de m'excuser, mais le chef n'avait plus de fraises en cuisine. Non, ce n'est rien. En réalité, je n'ai aucun besoin de toutes ces calories. Quant à Russ, il a horreur de... Russ? Oh, il s'est levé de table. Ah, et quand ça? Vous ne vous en souvenez pas? Vous lui avez dit bonsoir. Non. Oh, non, il faut dire que dès l'instant où je parle de mon travail, je pars sur une autre planète. Un soir à New York, je signais des autographes au studio après mon émission télévisée. Ma mère s'est approchée à cet instant-là. Je lui écris « Avec mes voeux de réussite à... » Je la regarde en disant «
Quel nom aimeriez-vous que j'écrive? J'en ai marre de monter ces escaliers. J'en ai mon ninja. De descendre ces escaliers. Eh bon, alors, j'apporterai une table pour que vous puissiez prendre vos notes. Oh non, j'utilise jamais de notes, ça ne sert qu'aux idiots. C'est vrai, oui. Bon, très bien, Madame Blanchard, laissez-moi faire. Nous installerons tout comme vous l'avez demandé. Ah, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais dites donc, c'est cher Beverly avec qui t'étais à l'instant. Oui, j'aime bien ce genre-là, moi. Vous portez jusqu'à mon cabinet. Oui, je m'en charge. Oui, d'accord, mais doucement, hein. Oui, oui. Oh, chérie, excuse-moi, je ne sais pas ce qui nous est arrivé, mais je te jure que c'est fini. Docteur, tu as besoin de moi? Non, pas question. J'ai assez de travail avec elle, hein. Continuez, allez-y. J'ai pensé à toi tout le temps, depuis la minute où nous avons été séparés. Respirez. C'est ce que je fais? Pas vous, elle. Oh. Oh, j'avais trop d'orgueil pour avouer mes torts. Mais c'est fini maintenant. Allez, poussez. J'ai tellement de choses à te dire, mais il va falloir qu'on attende. Julie, Julie, tu t'assieds et moi je marche. Bon, d'accord. Pourquoi ça dure si longtemps? Mais je sais pas, moi, j'ai jamais eu de bébé. Moi non plus, ne me regarde pas comme ça. Le docteur a déjà mis des bébés au monde? Oh, pas de panique, hein. Je n'avais jamais fait de soupe pour 600 personnes. Mais elle a été extra. Et pour repeindre les murs, oui. Je suis sûre qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le docteur fait toujours de l'excellent boulot. Oui, oui, je sais, je sais. Mais franchement, ce qui me surprend toujours chez lui, c'est que ce soit un vrai docteur. Mais oui, c'est pas seulement un surnom. Bon, alors, est-ce que mon nouveau passager s'est montré? Non, pas encore. Enfin, pourquoi est-ce que c'est aussi long? Le docteur a déjà mis des bébés au monde? C'est un vrai docteur, au moins, vous êtes sûr? Allez-y, poussez. Il se présente très bien. Mais pourquoi c'est aussi long? Épongez-moi, vous voyez? Allez-y, poussez une dernière fois. Il sort. Eh oui, le voilà. Le voilà. Oui, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Ça y est. Ça y est. Bonjour, monsieur Smith. Oh, c'est un garçon, ma chérie. Oh. Ouf. Et vous me voyez maintenant? Mieux vaut tard que jamais. Regarde, c'est lui qui était avec la dame enceinte. C'est la créature qui dévoyait le mari de Cher Beverly qui l'accompagne. Enragé du sexe! Oh, mais alors là, je commence à regretter de ne pas vous avoir rencontré. Gaffer, merci encore pour tout du plus profond de mon cœur. Allez, je crois que votre conseil va marcher pour mon ami. Oui, ils seront sûrement très heureux après ça. Mais de quoi vous parlez? Ne voyez, j'ai un couple de hamsters et ces derniers temps, le monsieur hamster se posait des questions. Au revoir. Tiens, ça c'est à toi. Oh, oui, encore merci. Au revoir. C'est vrai, vous êtes un très grand chef. Revenez naviguer avec moi autant que ça vous plaira. Grazie mille. Et je tiens à vous dire
que vous êtes un grand commandant. Oh, merci. Je voulais vous dire que votre soufflé aux fraises d'hier soir était le meilleur que j'ai jamais goûté. Ah, j'étais sûr que vous l'aimeriez. Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'y mets du ketchup. Hein? Oh non, c'est juste pour rigoler. Vous voyez que le chef Borga a le sens de l'humour, lui aussi. Oh, oui. Allez, au revoir, Meryl. Ciao, Antonio. Regarde comme il est beau. Jeff, tu ne reviens pas à la maison à cause du bébé, j'espère. Mais si. Quoi? Et j'en reviens à cause de toi. Je pense avoir compris. Tu es la seule que j'aime. Ah, il n'y a plus qu'à nous séparer. Comment pourrons-nous assez vous remercier, docteur? Oui, merci, docteur. Mais je vous enverrai ma note dans la matinée. Et toi, Julie, tu es une vraie amie et une bonne conseillère matrimoniale. Oh, rassure-toi, je t'enverrai ma note, moi aussi. Bon, allez, dis au revoir à tonton Isaac. Au revoir, Jasmine. À tonton Gopher, à tonton Adam, à tata Julie et à tonton Meryl. Non, non, tonton commandant. Allez, avance, il faut encore passer la douane. Altona, vous avez quelque chose à déclarer, là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais comment est-ce qu'on peut envoyer de telles lettres? Non, mais en général, les lettres proviennent de personnes absolument normales qui ont de véritables problèmes. Mais il y a des exceptions. Oh, tenez, comme cette femme qui disait que la secrétaire de son mari travaillait au bureau avec juste un soutien-gorge transparent et une toute petite culotte. Grâce à ça, il économisait sur l'air conditionné. Et qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Eh bien, je lui ai conseillé de dire à son mari qu'elle allait en faire autant à la maison. Oh, oh, excusez-moi, en retard. Racontez-moi une autre. Oh, si je commence, alors vous en avez pour la nuit entière à m'écouter. Bonsoir. Tiens, comment on se retrouve? Oui. Oh, oui, il y a cette vieille fille de 40 ans qui m'écrit qu'elle a lu un bouquin intitulé « Le sexe après 70 ans ». Alors, elle voulait savoir si elle allait être forcée d'attendre jusque-là. Oh. C'est vraiment incroyable. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir pour dîner? Ah oui, voyons ça. Oh, je crois que ce soir, je prendrai un steak, bien cuit, s'il vous plaît. Avec une salade verte. Mmh. Oh, zut! Moi qui rêvais d'un délicieux soufflé aux fraises, il n'y en a pas d'inscrit au menu. Un soufflé aux fraises? Il suffit de me le demander. Gopher, approchez-vous, s'il vous plaît. Voulez-vous bien dire au chef que le commandant voudrait avoir un soufflé aux fraises comme dessert? Mais tout de suite! Oh, commandant, je suis vraiment très impressionné. Il n'y a vraiment pas de quoi. Non, mais c'est très rare, un homme aussi écouté. Oh, vous croyez? Ne soyez pas trop modeste, commandant. Avouez que vous êtes un homme qui obtient tout ce qu'il veut. Il faut bien quelqu'un pour commander. Ah oui, excellente idée, oui. Eh bien, le chef a répondu qu'il aille se faire voir. Que j'aime, hein? Non, mais c'est sûrement un malentendu. Non, pas du tout, non. Et en fait, les paroles qu'il a prononcées à votre égard étaient plus crues que celles que je vous ai racontées. Oui, mais c'est vrai, hein? Je suis navré, excusez-moi. Non, mais bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi. Dehors, dehors, sortez de ma cuisine. Votre cuisine fait partie de mon navire et je vous demande un soufflé aux fraises pour le dessert. Vous avez une demande à faire? Adressez-vous aux réclamations, alors. Je n'ai aucune intention de supporter un cuisinier de rien du tout. Un cuisinier de rien du tout? Absolument. Borg! Présentez-moi tout de suite vos excuses! Jamais? Bon, écoutez, si je ne reçois pas d'excuses écrites de votre part avant demain soir, c'est le dernier dîner que je cuisinerai sur ce navire! Vous n'appelez pas ça un dîner? Sortez d'ici ou bien je vous transforme en viande hachée! Vous risqueriez trop de vous couper, hein?
Je croyais l'avoir déjà répété, je ne sais plus combien de fois, ce n'est pas le melon qu'on mange, mais juste le persil, tu vas le partir dans les choux. Je vous prie de m'excuser, mais... Mère vous rend visite. Combien de temps doit-elle rester? Oh, voyons, ça dépend si vous êtes à la maison ou non. Ton verre, ma chérie. Oui, dans un moment, s'il te plaît. Mais pourquoi critiquer les belles-mères tout le temps? Pourquoi les beaux-pères n'ont-ils pas aussi leur lot? Et on peut aller plus loin. Pourquoi ne pas se critiquer soi-même? Eh oui, il faut avouer qu'aucune de nous n'est parfaite. Nous avons toutes de petits défauts. Oh, moins gros que ceux des hommes, bien sûr. Il faut reconnaître qu'elle est très populaire, votre femme. Oh oui, ça oui alors. Dites, est-ce que vous seriez vexé si je vous offrais son verre? Je peux vous dire qu'il est très bien dosé. Je suis allé le faire servir moi-même. Alors, si vous vous êtes dérangé vous-même, je n'ai pas le droit de le refuser. Bravo. Oh, voilà enfin un joli couple. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? C'est le mari de Cher Beverley. Oh. Que vous faites? Vous voulez du ketchup? Alors plongez! Retournez plutôt à la cuisine et emmenez ce ketchup avec vous! Il faudrait plutôt me tuer! Oh non, ne me tentez pas. C'est vraiment extraordinaire. J'ai jamais eu ce genre de problème avec d'autres chefs. Mais Borga n'est pas n'importe quel chef, je suis le numéro uno. Ça n'a rien de très facile de préparer plusieurs centaines d'excellents repas par jour. Comment le seriez-vous? Oh, regardez qui ose dire ça. C'est Christophe Colomb, hein? Il dirige son bateau vers le Mexique. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à danser toute la semaine. Commander un tel bateau est une tâche plus compliquée, ne vous en déplaise, que de battre des œufs. Ah, que de battre des œufs, hein? Alors là, vous parlez un homme connu pour accomplir des miracles avec les œufs. Vous les pondez, ça, oui, je sais. Oh, oh stupido! Ignorante! Il a l'air en colère après vous. Albert, vous voulez bien emmener ça? Certainement. C'est l'histoire de... Pour accomplir des miracles avec les œufs. Vous les pondez, ça, oui, je sais. Oh, oh stupido! Ignorante! Il a l'air en colère après vous. Albert! Vous voulez bien emmener ça? Certainement. Ah, je perds tout ce que je veux. C'est l'histoire de ma vie. Je perds tout le temps. Jeff, pourquoi compliques-tu aussi idiotement toute cette histoire? Enfin, si tu aimes ta femme à ce point-là, pourquoi ne retournes-tu pas tout de suite auprès d'elle? Elle me rira au nez. Je n'ai plus d'espoir maintenant. Après l'avoir quittée, j'ai habité avec une petite amie et je connais qu'elle. Elle ne me pardonnera jamais ça. Et qu'est-ce que tu en sais si tu n'en as pas discuté avec elle? C'est comme ça. Alors tu ne vas pas essayer? Non. Mais tu t'acharnes toujours sur cette machine. Oui, je n'ai même pas ramassé une seule fois. Vous avez une pièce? Je vais essayer cette machine. Oui, bien sûr. Tenez, voilà. Mais on partage. Bien sûr.
gagné, regardez ça. C'est un miracle. Attendez, Tedeo. Je croyais qu'on avait dit qu'on partageait. Ah oui. Voilà votre pièce. Mais comment est-ce qu'on peut envoyer de telles lettres? Non, mais en général, les lettres proviennent de personnes absolument normales qui ont de véritables problèmes. Mais il y a des exceptions. Oh, tenez, comme cette femme qui disait que la secrétaire de son mari travaillait au bureau avec juste un soutien-gorge transparent et une toute petite culotte. Grâce à ça, il économisait sur l'air conditionné. Et qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Eh bien, je lui ai conseillé de dire à son mari qu'elle allait en faire autant à la maison. Oh, excusez-moi, en retard. Racontez-moi une autre. Oh, si je commence, alors vous en avez pour la nuit entière à m'écouter. Bonsoir. Tiens, comment on se retrouve? Oui, il y a cette vieille fille de 40 ans qui m'écrit qu'elle a lu un bouquin intitulé « Le sexe après 70 ans ». Alors elle voulait savoir si elle allait être forcée d'attendre jusque-là. Oh. C'est vraiment incroyable. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir pour dîner?